dessin, c'est une passion depuis le primaire. J'ai aimé dessiner, j'aimais représenter des choses. Et bon, c'était quand il y avait des petits concours et autres, il y avait vraiment une distinction. Bon, c'était un domaine où je me sentais mis en valeur. Donc j'ai essayé de persévérer dedans. Après le bac, je suis arrivé au Burkina, j'étais à l'université, aux facultés de droit. Et bon, on entendait souvent parler de concours de créativité ou de dessin par-ci par-là. Je postulais la plupart du temps. J'étais le lauréat. Donc j'ai vu que c'était vraiment une opportunité. Puis ça ne m'empêchait pas aussi de poursuivre mes études. Bon, malheureusement, rares sont les personnes qui vivent de ça. Moi, je me dis que c'est dû à l'artiste lui-même. L'artiste qui ne sait pas se vendre. Et puis bon, l'image qu'on donne de là, ici, bon, comme je l'avais dit tantôt, là c'est un échappatoire. Dès qu'on se limite un peu à l'école et on rentre dans un domaine artistique, on a du mal à se vendre, on a du mal à se mettre en valeur. Et bon, je pense que c'est ce qui est la cause même du fait qu'on ne puisse pas vivre de cet art. Les Beaux-Arts d'Abidjan, c'est déjà une école prestigieuse. Ils offrent l'opportunité à plusieurs artistes de pouvoir se manifester et puis de faire respecter le métier de l'art. Et je suis arrivé à un stade où je voulais réellement me lancer dans le domaine artistique. Et j'ai vu que c'était une porte ouverte pour moi. Ça m'a vraiment motivé. Et j'ai voulu prendre part à ce concours des Beaux-Arts. J'ai pu être étonné. Créer une nouvelle élite d'artistes, caricaturistes et de dessinateurs au Burkina. Moi, je voulais voir une nouvelle génération de jeunes intellectuels et artistes afin qu'on puisse mettre réellement en valeur ce domaine-là. Que les gens puissent avoir un regard sur le domaine artistique. Parce que c'est un canal de sensibilisation, un canal d'éveil d'esprit. Et qu'on puisse accorder la valeur réelle à l'artiste. Parce que c'est la valeur qu'on apporte qui peut le faire vivre de son art. Donc je m'adresse tantôt aux citoyens lambda comme aux autorités qui peuvent donner un coup de pouce pour que cela puisse être réel. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de talents au Burkina.